Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Civilisation 6 avec la France de Catherine de Médicis. Donc à l'épisode précédent, nous avons fait la paix avec les Ruskov. Nous avions pris deux de leurs villes, qui sont les deux plus proches. Bon, après, le Congo, c'est notre allié, donc on va pas trop s'étendre dans cette région-là. Mais ça me semble pas mal, on a deux cités tampons et trois cités même tampons. Et puis nous, on a colonisé le reste derrière. Donc, il me semble qu'on est bien. Et puis nous avons une nouvelle colonie au loin, la fameuse colonie de Bordeaux, qui est sur une petite île au nord de Séoul. Hein ? Alors, notre nouvelle armée, elle va se fortifier sur place. Toi, tu vas nous faire effectivement une petite ferme ici. Alors, perte de suzeraineté sur Kumasi. Eh bien, on sait où est-ce qu'on renverra nos trucs. Ok, et nous avons toujours des habitations insuffisantes à Paris maintenant. Ok, alors plus que 4 tours pour la tour Eiffel. Attrait plus 2 pour toutes les cases de votre civilisation doit être construit sur un terrain plat adjacent au centre-ville. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Ok, elle est en train de se finir, c'est cool. Elle va être construite en 1700, 1800 presque, je dirais. Donc, ce monsieur-là. Oui, je peux extraire l'artefact. Ensuite, toi. Il me faut la plateforme pétrolière. Je vais rechercher ça, du coup. Une puce prioritaire. Donc, du coup, toi, je vais te faire dormir le temps d'avoir la recherche. Alors, votre Orkalogorville, découvert un ancien chat de bataille appartenant à Zanzibar. Ben, Zanzibar, air antique, parfait. Poum! Wouh! Patrimoine culturel avance à grands pas. Nickel. Une momie. On va voir nos chefs-d'œuvre. Boum! Thématique, blam, blam, blam. 18-18. Nickel. Bon, on a bien géré là. Là, par contre, j'ai mal géré. Je peux pas les déplacer. Ah, si. Je peux les déplacer. Ouais, sauf que le problème, c'est que je peux le mettre nulle part ailleurs. Vous voyez, au palais de Paris, je devrais pouvoir peut-être déplacer ça, ici. Voilà, et du coup, le mettre là, et comme ça, voilà, dès que je pourrai avoir d'autres thématiques, des objets du même type et d'artistes différents. Et on n'est pas sorti de la berge. Je pense que ça va le faire. Oh, je vais bientôt avoir assez pour acheter le laboratoire de recherche cash. Ça, c'est cool. Avec la foi. Oh merde, encore un apôtre. Ils me font chier, ces apôtres. D'ailleurs, lui, il se régène pas là-bas. Si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Et si vous Broadway. Lisez, vous êtes mal informé. D'accord. Le Christ Rédempteur. J'ai pas beaucoup de reliques. Et l'usure de la guerre progresse 20% moins 8. Okay. Donc en termes d'usure de guerre, ça va. Donc on va, bon, on va s'approcher juste. Voilà. On a celui-là là-haut qui va venir par là aussi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le ramener à Paris. Je pense qu'il faut qu'il soit à côté d'un centre religieux. Alors, patrimoine culturel. Oh, ça c'est cool ça. Tourisme doublé presque. Et des épaves. Et on va regarder ça. Sélectionner une doctrine. Ah! Oh! Voyons voir. Propagande, non. Production plus 100% pour les unités, non. Vaincre une unité, bon. Ouh. Bon, allez, on va aller là-dessus. Réduction des coûts d'amélioration. D'ailleurs, il faudra que je change de type de gouvernement, de ces 4. Pour quand les types de gouvernement? Ah bah c'est pour très bientôt. Construisez 4 réseaux d'égouts, en plus c'est fait ça. On est parti là-haut, mais après, je pense que je ferai ça. Bonne marchand use par tour plus 4, or plus 1 par ressources de luxe ou stratégique aménagée à destination d'une route commerciale. Ok. Donc, toi, tu vas juste passer ton tour. Alors, maintenant. Bordeaux. Il faudrait que j'achète cette case. Comme ça, il peut venir là, lui. Oula, obligé de passer par la mer. Ah, c'est à cause du marais. Là, j'en suis encore au Panthéon des rites de fidélité. Franchement, à ce niveau-là, ça aurait pu être directement de mon truc, quoi.
Ouais, ça va, c'est équilibré. Ouais. Oh, un personnage illustre. Un amiral illustre, bah parfait. On va le prendre. Oh, j'arrive pas à lire ce qu'il a, c'est con ça. Or plus 100 vitesse normale, butin issu du piège des routes commerciales plus 60%. Le développement de notre flotte militaire a engendré l'apparition d'un amiral illustre dans nos rangs. Une fois détaché à nos navires, il nous donnera un avantage certain dans les combats navals. Ok, alors lui, est-ce qu'il a... Il a une puissance particulière ou pas? Et Ching-Chi. Je gagne plus 100 d'or et j'augmente mon butin. Ou alors je le garde. Sachant que j'ai terminé ma quête de cité-état de Nandmadol. Je sais pas trop quoi en faire de ce mec en fait. Je vais le laisser au port. Ou alors je l'utilise, mais bon, pour Sandor, c'est que dalle, quoi. Augmenter mon pillage. Pas spécialement de pillage pour l'instant. Bon, je vais le laisser dormir pour le moment. Je ne sais trop quoi en faire. Défaite majeure encore. 107 contre 112. Et j'ai essayé peut-être avec lui. Ce serait un peu mieux. Moins 30, moins 30. Pour l'instant ça va, il est presque mort. Et toi là-haut, tu viens là s'il te plaît. Passe ton tour. Encore un personnage illustre. J'ai même pas fait gaffe. Un musicien illustre. Bah parfait. Écoutez. Inspiré par notre civilisation, un musicien est venu sur nos terres pour composer des chefs-d'œuvre musicaux. Je vous conseille de trouver un lieu où nous pourrons abriter ces créations. Alors c'est un peu le problème là, parce que pour abriter ces créations, ça va être où? Don Quichotte, c'est un écrit. Alors, est-ce que je peux le déployer à l'endroit? Quartier, le chef-d'œuvre libre de son type. Chef d'œuvre musicien. Merde, j'en ai pas ou quoi? A priori, j'ai pas d'emplacement en fait. Fuck. Je vais laisser dormir pour l'instant, on verra après. Ah, ah bah oui, j'ai fait une unité anti-char ici aussi. Bon bah ça nous fera une armée comme ça. T'es où toi? Toi tu dois être... Ouais, là-bas. Ah putain, je peux récolter la ressource, j'avais même pas fait gaffe. 191 de nourriture. Non, on va plutôt l'exploiter. Voilà. Et après, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'on va faire de plus. Remarquez, il devrait pouvoir prendre ça, je pense. Ouais. Au prochain tour, il va aller faire ça et puis ce sera bon. Yes, on a gagné. Voilà. À mort les apôtres de Rome. Une bibliothèque dans sa ville. Ok. Ah, c'est que je peux plus vraiment construire de merveilles à Paris. En même temps, il y en a un paquet quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est Toulouse qui l'avait fait. Alors, mon inquisiteur, il va rentrer à Paris, justement. Ah, mais je peux pas le mettre à Paris parce qu'il y a ce mec-là. Je vais le déplacer. Faire dodo là-bas. Toi, viens là-haut. What? Des barbares? Mais d'où ils sortent? Ça me fera toujours marrer. Tirer au bazooka sur un piquier. C'est magique quand même, non? Allez, toi tu rentres à Paris. Voilà. Et
mais vous avez qu'à dormir en fait. Bon. Voilà. Ah. Oh, bonjour Gandhi, tiens. Mere log mujhe Bapu kehte hain. J'avais pas que t'étais là. Kripya, mujhe mitra kahein. Ils lui ont fait une tronche quand même. Enchanté, mon ami. C'est un honneur de te rencontrer. J'aimerais bien goûter à ton hospitalité. Alors, où est-ce que t'es ? D'accord. Delhi, c'est là. Ok. On est à 3 sur 4 à Smolensk. On est passé à 3 de pop maintenant. Donc ça va quand même beaucoup mieux. On a un petit peu de prod, donc notre truc va arriver assez vite. Si j'enlève peut-être le focus, voilà, ça devrait aller mieux. Et après, très bien, on a notre route commerciale et tout en plus. Waouh, ça c'était très peu de dégâts, dis donc. Je vais être jaloux de cette tour. Elle est plus célèbre enfin. Que moi. Bah non. La tour Eiffel à Paris. Enfin un truc logique. Et voilà. Donc du coup, ça nous donne des attraits monstrueux, je crois. On veut bien. Donc, toi déjà, tu vas buter ce monsieur. Hein ? Toi, tu vas venir à côté. Ok, on voit que ça a fusionné, mais que ça a gardé l'XP. Ça, c'est cool quand même. Donc à Paris. Qu'allons-nous faire à Paris ? Une usine, ça pourrait le faire. Le Christ Rédempteur. L'Ermitage. Plus 3 points d'artiste illustré, 4 emplacements pour chef-d'œuvre artistique. Il doit être adjacent à une rivière. Où est-ce qu'il me le mettrait ce truc-là? Ouais. Ben là, j'ai beaucoup de production quand même. Honnêtement, là, j'ai un peu de tout, j'ai l'impression. Ouais, c'est un de chaque seulement. C'est pas énorme. Bon, attendez, on va pas faire ça de toute façon. On va plutôt focus sur. Un petit quartier résidentiel serait adapté quand même. On a des gros bonus d'emplacement. Ici, ce serait très bien. Ouais. Un peu éloigné. Allez, un petit quartier résidentiel. Ensuite, à Marseille. Je sais plus ce que je venais... Ah oui, je venais de finir l'unité. On est à quoi ? On est à 14 sur 16. Donc, un quartier résidentiel serait adapté ici aussi. Attendez, je vais juste éviter de faire des bêtises, parce que j'ai tellement d'attrait partout, donc on va peut-être utiliser l'emplacement pourrave comme celui-là. Voilà. Alors, oui, ça c'est le mec qui est là-haut. Voilà, donc normalement Bordeaux devrait avoir assez de bouffe. Un petit peu de prod. Oh, je sais. Je sais. La culture française impressionne le monde. Oh, on est à l'ère atomique. Un peuple méconnaissant son passé, ses origines, patrimoine culturel. Sa culture, est-ce que je veux comme ça ? Un arbre sans racines. Ça augmenterait notre tourisme, mais bon, je préfère le boost de science pour l'instant, j'en ai plus besoin, parce que j'ai l'impression d'être un peu à la bourse sur la science. On va aller sur l'idéologie du coup. Qu'est-ce qu'on a après? Nous avons découvert une ressource d'épave, donc pareil, archéologue. Ok, mais notre archéologue a disparu, hein, il a été consommé en fait. Bon. Ouais, de toute façon, j'ai plus d'emplacement d'épave. 5 nouvelles quêtes, établir une route commerciale. Attends, on va plutôt passer par là. Waouh. Conversion en religion. Inspiration pour la guerre froide, oui. Ça donne envie. Anoreka pour la balistique avancée. Convertir à notre religion. Établir une route commerciale. Établir une route commerciale, ça je sais le faire. Construire un campus.
me former un chasseur et recruter un écrivain illustre. Bah tiens. Un écrivain illustre. Parfait. Quête de cité-état réussie. Merci. Il a apparu ici. Donc je peux le déployer. Bah vous savez quoi, je vais l'envoyer à Oxford déjà. Illusion, illusion. Où est votre Eugène Onegin. Où est votre rime? Ah non, c'est Alexandre Pushkin, pardon. Ok. Et ensuite, bah, il aura qu'à revenir ici, je pense. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, on a notre unité militaire. Ouais, non. Ça, c'est notre unité militaire. Voilà. Donc, à Toulouse même, qu'allons-nous construire? On est à 13 sur 19, donc on a quand même la marge en termes de, d'emplacement. Le Mont Saint-Michel. Deux emplacements de reliques. Si je veux faire ça, c'est à des endroits pas très intéressants, honnêtement. Hermitage, c'est le même combat. Le Christ Rédempteur, c'est le même combat. Et l'Opéra de Sydney, oh! Ça serait intéressant, mais le problème c'est que le nombre de tours me paraît un peu élevé. La zone industrielle a complètement été améliorée. La plateforme commerciale, oui, mais non. Bon, vous savez quoi, on va aller là-dessus, on va améliorer notre complexe de loisirs. À Voronège, cool. Temple, monument. Moulin à eau. Un petit moulin à eau. Non. Bon, peut-être pas très intéressant. On est à quoi? On est à 3 sur 8. Bah vous savez quoi? Ouais, on va faire un petit temple. Ensuite, on avait perdu suzerain la Russie. Monte à 8, ça devrait aller. Et après, on va mettre un à Séoul, comme ça je vais récupérer un petit peu de science. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, Kumasi est à moi et Séoul. C'est parti. Alors après, toi, tu reviens à la maison. Ah, remettre entrée dans l'ère moderne. On est toujours très avancé sur eux quand même. Ok, tu viens là et tu te reposes. Et toi, tu vas rejoindre ici. Donc on formera une autre armée. À Smolensk, je suis assez d'accord qu'un port serait intéressant, mais le nombre de tours de production est assez monstrueux quand même. On va plutôt aller vers un monument pour commencer. J'ai vraiment une production de merde ici, ouais, 7. Alors, Alexandre Pushkin. C'est ainsi qu'un diacre vieillit dans les tribunaux, regarde avec le même calme les innocents et les coupables, et écoute avec indifférence le bien et le mal, sans connaître la colère ou la pitié. Vous savez qui c'est qui fait la voix dans Civ 6? Je sais qu'en anglais c'est Sean Bean, Boromir. Mais je sais pas en français qui c'est. On regarde un peu nos chefs-d'œuvre du coup. Excusez-moi. On a pas mal de place. Juste les reliques, on les récupère comment en fait? Je sais pas. Et quoi, on va chercher. Chef d'œuvre, reliques et artefacts. Trouver. Les reliques issues des apôtres possédant la promotion martyr et mort en combat théologique. D'accord. Lentement, les idées mènent à l'idéologie qui mène aux politiques. Ouais. Oh merde, je lui ai coupé la voix encore. Donc il nous faut des apôtres et il faut qu'ils meurent au combat. Mais il faut qu'ils aient un boost avant. Qu'est-ce qu'on prend? Le suffrage pour avoir la démocratie. En or du mécénat des personnages élus, moins 50%. Bonus de rendement sur les projets de quartier. Génération d'influence. 7 points d'influence par tour. Union économique.
Production aérienne, route commerciale menant à une ville alliée, offre 2 de nourriture et 2 de production aux 2 villes, sympa. Habitation plus 4, activité plus 2, et or moins 8 pour les villes abritant au moins 3 quartiers spécialisés. Pas dégueulasse quand même. On a l'auto-autoritarisme mais on n'a pas encore les écoles militaires. Le prix Nobel, l'espionnage nucléaire. Découvrez la fission nucléaire, construisez 3 usines, ça on va le faire. Construisez... Franchement pour moi le mieux c'est soit ça, soit ça. Hein. On va partir sur le suffrage. Sur Nantes, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a notre quartier résidentiel, ça nous fait du 23. Donc là on a la place. Une petite zone indus serait pas mal, je pense. Qu'est-ce que j'ai comme emplacement? J'ai du plus 2 ici. Bon, le problème c'est que je perds beaucoup de prod en faisant ça. Je vais perdre énormément de prod même. 6, je suis tombé à 29. Ah, hein. Bon, 5, je suis tombé à 30. Ce serait dommage. Alors qu'avec un chantier manuel, je gagne plus 2 de production. Je pense qu'on va aller vers le chantier naval, honnêtement. Ouais. Ça sera fait. Et ça serait peut-être pas mal du coup de se faire un nouvel... Enfin, remarquez, non. Déjà, on va faire un laboratoire de recherche. Voilà. Et... Oh, naturaliste. Ah oui, c'est vrai, le parc national. Il faut 1600 fois pour ça. Pour la potre, 290, sauf que je peux pas pour l'instant. Donc vous avez bien régène. Je vous déplace. Et du coup, on va se faire un autre apôtre. On va au prochain tour. Et puis on va aller fighter, je pense, celui-là, là-bas. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous!